Lancé officiellement pour l'année 2023 en juin par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique Mamadou Touré, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que réellement ce projet? Que représente-t-il pour la jeunesse ivoirienne? Nous recevons dans cette émission Madame Sonia Kouassi. Elle est chef de service ingénierie des projets à l'agence Emploi Jeune. Bienvenue Madame Kouassi. Merci de nous avoir invités. Alors, expliquez-nous, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des travaux qui consistent à embellir ou à assainir les localités dans lesquelles les jeunes vivent. Donc, ce sont des travaux de curage de caniveaux, nettoyage de marché, ce sont des travaux aussi d'embellissement des murs pour faire de la peinture, du nettoyage des hôpitaux, des sous-préfectures, des mairies. En fait, tous travaux nécessaires pour l'assainissement et l'embellissement des localités. Très bien. Alors, quel est l'objectif de ce projet? Ce projet est tout d'abord d'occuper sainement une frange de la population ivoirienne et ensuite de les amener à se resocialiser, à apprendre les vertus du travail et surtout de nouer des liens de cohésion sociale dans les localités où ils vivent. Très bien. Alors, c'est le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui s'en occupe. Du coup, c'est dédié qu'aux jeunes. Quelle est la cible, en fait, de ce projet? La cible de ce projet sont des jeunes de 18 à 40 ans qui ont un faible niveau d'alphabétisation ou qui ne sont même pas qui sont analphabètes. Ce sont des jeunes qui sont la plupart du temps éloignés du marché de l'emploi. Et comment sont choisies les localités dans lesquelles est implémenté le projet TIMO? Nous avons deux méthodes de sélection. La première, c'est on fait un appel à toutes les communes, à toutes les mairies, tous les villages qui ont besoin de ces TIMO-là. Donc, on passe par nos agences régionales. Nous avons 20 agences régionales sur toute l'étendue du territoire. Donc, on passe par ces agences régionales pour contacter les mairies et celles qui répondent favorablement, qui nous disent qu'elles sont intéressées par ce projet-là, nous écrivent un courrier à l'agence Emploi Jeune et on les intègre. La deuxième aussi, ça vient des sollicitations des mairies elles-mêmes. Avant même qu'on ne demande à certaines mairies, conseils régionaux qui viennent vers l'agence emploi jeune pour pouvoir bénéficier des dispositifs de l'agence emploi jeune. Et elles aussi, comme elles ont fait la demande, on essaie de satisfaire tous ceux qui ont fait la demande dans la limite de nos moyens. Alors, dans les critères de sélection de ces jeunes-là qui peuvent participer au projet, il faut avoir un minimum requis de diplôme qui va jusqu'au BEPC, non, un maximum. Oui. Alors, pourquoi se limiter au BEPC quand on sait que le chômage touche aussi des personnes qui ont des diplômes au-delà du BEPC? Donc, le TIMO, c'est un des dispositifs de l'Agence Emploi Jeune. On a plusieurs dispositifs concernant le développement de l'employabilité des jeunes. Tous les jeunes qui doivent valider leur diplôme ou qui ont déjà un diplôme, qui sont en quête d'un premier emploi, bénéficient des programmes stages au niveau de l'Agence Emploi Jeune. Toutes les personnes aussi qui ont un niveau supérieur au niveau de 3e et qui souhaitent entreprendre, on a des projets d'entrepreneuriat qui vont de la somme de 1 million, 5 millions jusqu'à 50 millions. Donc, on a vraiment une pléthore de dispositifs qui sont adaptés à toute la population jeune de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas que les TIMO que l'Agence Emploi Jeune fait pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, pour tout renseignement, pour avoir toute information sur les dispositifs de l'Agence Emploi Jeune, on a le site internet de l'Agence Emploi Jeune qui est agenceemploijeune.ci où vous pouvez avoir toute information sur tout ce que nous faisons pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, les bénéficiaires du projet TIMO, après 6 mois, peuvent bénéficier d'un financement pour des projets. Oui, donc, oui. Ils présentent ces projets-là. Comment ça se passe? Donc, après 6 mois, bon, d'abord, pendant les 6 mois, ils bénéficient d'une formation. Cette formation est montage de projets en entrepreneuriat. Ils font aussi une formation en civisme et citoyenneté. Et ils font une formation d'éducation financière pour leur apprendre à gérer les ressources qui leur sont remises. À la fin du TIMO, on leur remet un pécule. Et ce pécule-là peut servir à 3. Ils ont 3 choix à faire. Soit faire un projet
qu'ils vont financer avec le pécule qui leur est remis, soit bénéficier d'un prêt avec pour garantir le pécule qui leur est remis, ou bien passer à l'apprentissage, qui est un autre des dispositifs de l'agence emploi jeune pour des personnes qui n'ont pas un niveau assez élevé. Donc, pour les projets, on a un dispositif qu'on appelle AGR, qu'on a lancé en mi-juin 2023, qui sont des projets qu'on finance entre 100 000 et 1 million de francs, qui est vraiment du tout venant, je dirais que dans tous les secteurs d'activité. Et ces jeunes du TIMO sont, on peut dire, un peu priorisés dans la mise en œuvre de ce programme AGR. Ceux qui ont fait le TIMO, qui ont fini les 6 mois de TIMO, qui ont suivi effectivement la formation qui leur a été donnée, l'agence emploi jeune les appuie à l'élaboration de leur plan d'affaires et soumet ce plan d'affaires-là au niveau des AGR pour pouvoir avoir un financement. Comme j'ai dit priorisé, ça ne veut pas dire que n'importe quel plan d'affaires aussi peut passer. Il faut que le projet soit un peu réaliste pour pouvoir passer. Très bien. Alors, après ce financement-là, donc, considérons un jeune qui a reçu un financement après avoir effectué les 6 mois de formation. Est-ce qu'il y a un suivi quand il reçoit son pécule et comment ça se passe? Par rapport au financement, comme j'ai dit, c'est un autre dispositif AGR et dans ce dispositif AGR que nous mettons en collaboration avec certaines banques de la place, il y a un suivi qui est effectué et par les banques et par l'agence emploi jeune à travers ses agences régionales et ses guichets emploi. Donc, le jeune n'est pas abandonné à son sort, il est suivi jusqu'au remboursement de son prêt. S'il a effectivement bien remboursé son prêt, il est possible pour lui d'avoir d'autres prêts avec d'autres mécanismes, d'autres guichets de l'agence emploi jeune. En parlant de jeunesse et de jeunes, le président de la République a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Comment l'agence emploi jeune intègre cette donne-là? Donc, au niveau de l'agence emploi jeune, tous les dispositifs ont doublé le nombre de bénéficiaires, le nombre de jeunes à toucher. Donc, par exemple, dans le cas de Timo, nous sommes passés de 5477 jeunes à 10 000 jeunes au niveau de l'agence emploi jeune cette année. Il faut rappeler que l'agence emploi jeune n'est pas la seule structure qui exécute les activités au niveau du ministère. Donc, tous les efforts sont faits au niveau des autres structures d'exécution aussi pour augmenter le nombre de bénéficiaires et toucher le maximum de jeunes pour 2023, 2024 et 2025. Très bien. Alors, pour l'édition 2023, le ministre Mamadou Touré a annoncé le recrutement et l'activation de 15 900 jeunes à compter du 1er juillet 2023, dans le cadre justement de la mise en œuvre du projet. Que représente ce chiffre qui va au-delà du chiffre qui avait été annoncé, qui est de 10 000, si je ne me trompe pas, pour l'agence? Donc, comme je disais, au niveau de l'agence, nous avons 10 000 jeunes à insérer dans les TIMO. Et il y a une autre structure d'exécution au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse qui va exécuter 5 900 TIMO sur tout le territoire national. Mais c'est quand même un défi logistique. Comme je vous disais, on passe de 5 000 TIMO à 10 000 TIMO, de 10 000 à 15 900. Mais c'est quand même pour le bien des populations et le bien des jeunes. Alors, on va terminer sur les objectifs du projet TIMO pour les années à venir. Pour les années à venir, pour 2023-2025, nous sommes dans ce qu'on appelle le programme jeunesse du gouvernement. Donc, on envisage à chaque fois augmenter le nombre de bénéficiaires de nos différents dispositifs. Pour cette année, on est à 10 000 bénéficiaires au niveau de l'agence emploi jeune. On espère l'année prochaine doubler ce nombre de bénéficiaires-là. Donc, pour l'instant, on attend des communes qu'elles se manifestent. Plus les communes se manifesteront, plus les jeunes montreront de l'intérêt à ces dispositifs et plus la Côte d'Ivoire pourra mettre des ressources pour mettre en œuvre ou exécuter ces différents programmes-là. Alors, avant de terminer, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire. Du coup, comment, à votre niveau, vous faites la sensibilisation au niveau des jeunes? Parce que c'est possible qu'il n'ait pas forcément l'information, surtout dans les localités, on va dire, hors d'Abidjan, qui ne sont pas forcément connectées, on va dire, à toutes les informations qui viennent de la ville. Comment se passe la sensibilisation, l'information? Comme je disais, on a 20 agences régionales. On a un guichet emploi dans chaque commune
de la Côte d'Ivoire. Donc, ces agents-là doivent faire le relais de l'information au niveau des populations. Donc, dans chaque agence régionale, dans chaque guichet emploi, on a le contact des leaders communautaires, des leaders religieux, politiques, associations de jeunes, toute autorité de la zone, qu'on contacte à chaque fois qu'on a un dispositif à mettre en œuvre. Comme on a des objectifs à atteindre pour chacun de nos dispositifs, ces objectifs-là sont communiqués à chacun de ces leaders religieux, des leaders de communauté. Donc, eux, ils se chargent de passer l'information aux jeunes qui respectent les critères au niveau des dispositifs qu'on met en œuvre. Dans le cadre des TIMO, qui respectent les critères d'âge, 18 à 40 ans, un niveau de moins de 3e, maximum 3e, qui a une pièce d'identité valide, puisque ce sont des ressources. On va mettre à la disposition des personnes à des ressources, donc il faut qu'elles puissent être capables de pouvoir retirer ces ressources-là. Donc, au niveau de la sensibilisation, on passe aussi par les radios locales. On fait la sensibilisation nationale par les télés nationales, mais au niveau régional, par des radios locales, les leaders de communauté et tout le monde. Donc, on n'a vraiment pas de problème au niveau de la sensibilisation pour les Timor. On travaille aussi avec les mairies, puisque ce sont les mairies qui demandent les Timor. Donc, les mairies aussi, les services sociaux des mairies, se chargent aussi de diffuser l'information auprès des jeunes qui peuvent être bénéficiaires de ce dispositif. Merci à vous, Madame Kouassi. Je rappelle que nous étions en compagnie de la chef de service ingénierie des projets à l'agence Emploi Jeune et nous avons parlé du projet TIMO, ce programme qui a pour objectif de résoudre la problématique de l'emploi des jeunes, par conséquent le chômage et la pauvreté. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info.